Et comme ça, on part là, on dit au capitaine, Monsieur, Son Excellence, Drogba Didier, si demain il y a un pénalty au cours du match, ne le tire pas. Peu importe, si on gagne, on dira Drogba et ses partenaires ont gagné la Coupe d'Afrique. Il dit, ok, il a compris. On part au match, pénalty. Il reste 10 minutes de la fin du match. Yaya prend le ballon et Drogba, en tant que capitaine, le leader, dit à Yaya, il tend la main, Yaya Touré n'a pas le choix, il remet le ballon. Et il voit derrière, il attend le coach. Il me dit, Maestro, Maestro, genre il a la lame quoi, arrache-lui le ballon. Il dit, coach, non, c'est le capitaine, j'ai pas le choix. Et malheureusement, il a raté et c'était un souvenir pour nous. Ouais, parce que c'est comme si on a prédit ça quoi, à la veille du match. Et après, il me s'est renseigné, quand on dit que les joueurs ont bien, ils ont fait un crash juste à côté du stade et ils ont perdu tous les joueurs. Il dit que Dieu a jugé le pour et le contre. Et comme il est bon, il est juste. Il a voulu que la Zambie soit champion d'Afrique. Et voilà, c'est un souvenir qui m'est resté là dans la tête.